Bonjour à toutes et à tous, oui à toutes aussi parce qu'il y a environ 2% de femmes. Vérification s'impose. Il y a environ 1,4% de femmes qui regardent cette chaîne YouTube et c'est très 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 triste. Au moins, moi, je pourrais pas faire de Norman parce qu'en plus, l'âge moyen, il est de 1,5% de 13-17 ans. Donc si on fait un calcul très rapide, 4% de femmes, ça nous fait 1200 femmes, ça nous fait 18 mineurs. Aïe aïe aïe. Ah! Bon, blague à part, aujourd'hui nous sommes sur Hellcase et nous allons ouvrir des caisses. Cette vidéo est interdite au moins 18 ans, donc les 1,5% vous ne serez même pas là, on ne vous verra pas. J'ai vu que la semaine dernière vous avez bien aimé le tournoi. Hein. Donc aujourd'hui on va refaire un tournoi et pourquoi pas même deux tournois. Est-ce que vous êtes chaud? Le gagnant du giveaway de la dernière vidéo Hellcase, il va s'afficher ici, tiré au sort parmi les commentaires YouTube. Et on va refaire un giveaway dans cette vidéo de ce skin là, qui sera décidé un peu plus tard. Voilà, ce skin là il flotte. Et pour participer, il faudra s'abonner, commenter et liker. Quand vous serez tiré au sort, je vérifierai que vous êtes abonné. À vous de jouer, à nous gagner. Donc aujourd'hui, bon, j'ai 35 000, c'est chiant, hein, ça arrête pas d'être réapprovisionné, j'en peux plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, soit c'est 25 000, soit c'est 45 000. Voilà, aujourd'hui, soit je perds, soit je gagne. Il y a une limite. Allons-y. Pour ce tournoi, ce qu'on va faire de différent, c'est que je vais ouvrir plusieurs caisses à la fois. Et donc, ce sera le total qui comptera. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais en ouvrir 4 et nous allons voir. Chromaglow compte double boost. Eh ben, ça ouvre 8 caisses d'un coup. C'est peut-être bordel, non? Peut-être on va faire 2, hein. Ok, on a eu 2 couteaux à droite. Attends, c'est pas mal, hein. 678 hein. La Chromaglow passe avec 678 contre 444. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait pas le multiplicateur de la caisse qui compte au final. C'est comme, tu vois, dans un tournoi, il y a forcément des gens qui sont plus forts que d'autres. Bah là, c'est pareil. La Void Grimoire, elle coûte 130, elle sera plus forte. La Dark Carnival sera un peu moins forte. Donc, voilà, t'as compris. Void Grimoire contre Dark Carnival. On va essayer par 2 parce que 4, je trouvais que c'était quand même un peu trop sur l'écran. Voilà, comme ça c'est ok, je trouve. Donc là, c'est des caisses à 100 balles environ, je tiens à le dire. Donc si on a des skins à plus de 100 balles, là on a deux USP qui le confirment, je pense que c'est les USP qui gagnent, hein. Oh putain! Attends, mais on est en bénéf pour l'instant en vrai, avec l'autre truc à 600. 320 contre 134, c'est un no match. Dark Carnival qui passe. Voilà, Dark Carnival. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite, hein. Au final, j'aurais pu mettre beaucoup plus de caisses. Empyrean contre Opulent Treasures, que j'ai oublié de mettre. Donc là, on est sur une caisse à... Ah, donc là, ça va être 246 contre 164. Empyrean a moins de chances de gagner, mais est-ce que c'est mon problème? C'est parti. Après, je pense Opulent, elle est peut-être plus volatile. Oh purée. Il y a Apep. Non, il y a Apep à droite. C'est fini pour toi. 139 contre 144. Ouh, c'était serré, hein. C'était serré, mais Opulent gagne. Et enfin, Onitaiji contre Eternal. C'est à peu près équitable. Voyons voir. Pilote. Ah, je sais pas là. Hein. Ça se tape, hein. Je pense que c'est à gauche quand même. Ah non. On a eu le pire USP qui le confirme. 82 contre 116, Eternal qui gagne. Ok, fin du tour 1. Ça va vite. J'aime bien. Ok, nous voilà en demi-finale. Chromaglow contre Dark Carnival. Qu'est-ce que ça va donner? Donc si on a des skins à plus de 100 balles, il faut être étonné. Electric Hive peut-être. Elle a bien monté, hein, je pense. Death by Kitty. Je crois que c'est 50. 50, exactement. Et là, 93 pour Chromaglow. Par contre, c'est fait baiser, hein. Et 59 pour Dark Carnival. Chromaglow passe donc en finale. Opulent Treasure contre Eternal. Vous aimez bien le concept ou pas? Moi je kiffe, hein. En vrai je kiffe, ça donne une nouvelle dimension au case opening, c'est trop bien. Eternal, Opulent Treasure, c'est parti. Ah là, Opulent fait 123, Eternal fait 90, un truc comme ça. Si on a un bon drop sur Opulent, c'est fini, mais c'est de la merde. Je crois qu'Eternal passe, hein. On sort le... Oh! Oh, le close fight, par contre on se fait baiser, hein. Opulent continue, voilà. Et la finale c'est donc Chromaglow contre Opulent. Là, ce qu'on va faire c'est simple, c'est très simple. Pour la finale, on peut en ouvrir 10, voilà. Faut que ça accélère, on a dépensé que 2K, là c'est le premier tournoi, on va en ouvrir 10. On va rien comprendre à ce qui va se passer à l'écran. Est-ce que je fais ça du coup? Bon les gars, tous les jours qu'on ouvre 20 caisses d'un coup, moi je pense qu'il faut y aller, ok. Oh, je comprends rien. Il y a un couteau ou pas dans le truc? Il y a même pas de couteau? Ah, il y a une fuel injector par contre, attention, hein. Oh! C'est pas du bénef, mais par contre, Opulent Treasure a gagné. Moi, je propose un deuxième round. Voilà, Opulent gagne le premier, logique. Un deuxième round de 10 caisses parce que j'ai bien aimé. C'est parti. Mais du coup, s'il y a égalité, bah t'as compris, il y aura un troisième round. Enfin, il y a égalité, qu'est-ce qu'il raconte? Cold Blood? Tiens, tiens, tiens. Il y a rien d'intéressant ici. Ici, il y a Cold Blood. Ah, si, c'est quand même Opulent Treasure qui gagne. Ouais, mais elle a un avantage, c'est dommage. Eh bien, les gars, Opulent Treasure est la grande gagnante. Bien joué à elle, la médaille du champion du monde. Bravo! Allez, allez, c'était incroyable, c'était marrant. Dans l'histoire, j'ai acheté 7000 balles de caisse, étant donné que j'ai rien vendu, et là, je vais tout vendre. J'ai perdu 1400. Ça va, c'est ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver toutes les caisses les plus chères et les mettre dans un tournoi, et on va faire ce second tournoi. Et on va ajouter la caisse qui a gagné, la Opulent Treasure. Oh, il va être incroyable. Oh, celui-là, il va être incroyable. Donc là, ça va coûter cher parce qu'il y en a des caisses plutôt chères. Hein. Là, je pense qu'on va arriver à ces 25000, et après, on va tenter des upgrades pour monter aux 45000, ou bien acheter plein de caisses Ruby Cherry, je sais pas, mais je pense que les upgrades, c'est le meilleur moyen d'avoir
d'arriver à ses fins. Parce que dans les caisses, bon, faire un big bénéf, c'est quasiment impossible. Hein. Ok, commençons les amis. Opulent Treasures contre Hard Luxury. Directement, elle est tombée contre une des plus faciles. Si Opulent Treasures gagne ce tournoi, je m'engage à giveaway un knife de 1000 balles. Bon, du coup, si c'est le cas, vous avez eu un knife mystère au début. Mais dans tous les cas, vous verrez un skin mystère au début. Parce que le monteur est très chaud. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir deux à la fois aussi. Voilà, deux, parce que là, c'est des caisses qui sont chères. Donc plus que deux, ça va être compliqué. Oh là là. Oh, ouais, Medusa. Non. Vulcain. Bon, bah là, à droite, franchement, ça lui a pété la gueule. Hein, y a pas à dire. 135 et 235. Ah, c'est pas tant que ça pour le coup. Hop, Hard Luxury qui gagne. Tiger Tooth contre Fucanlong. Waouh, waouh, waouh. Tiger Tooth contre Fucanlong. Alors là, c'est un combat qui va coûter 1500 balles. Ça va piquer, hein. Y a moyen de battre des records ou. Non, non, non. Bon, si on pouvait arriver en x4 sur Fucanlong, ce serait incroyable, hein, une Medusa comme lui. Je sens que ce tournoi, il va se passer des choses vraiment épiques. C'est parti. Donc là, on regarde tous à gauche, hein, évidemment, c'est la Fucanlong. 2M9, ok, ok, c'est bon, ça me va, c'est bon. Très bien, c'est beaucoup plus que 500 ça, hein. Ah bah oui, 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 là oui, là oui. Allez Tiger Tooth, va dormir, sale. Non, ça régale. Hop, Ruby Cherry contre Magnificence. Ruby Cherry qui a gagné le premier tournoi, hein. Est-ce qu'elle peut gagner celui-là aussi? D'ailleurs, son prix a baissé, c'est plus elle la plus chère du site. Eh bien, c'est parti. Ruby Cherry qui va péter la gueule à Magnificence d'une force. Les gants, des USP. Ah, oh putain, non, là tu m'as fait. Faut pas me faire des trucs comme ça par contre. 203, 468, ok, ouais, ça me paraissait évident, hein. Le combattant est beaucoup trop fort. Shiny Knives contre Prince. En même temps, ça vous arrange? Ça vous arrange qu'il y ait un avantage par rapport au prix de la caisse maintenant? Parce que vous voulez voir des caisses chères être ouvertes, je suppose. C'est parti. Là, c'est à peu près équitable pour le coup. Oh, y'a un gars qui a une Medusa là-dedans. x16. Allez, let's go. Oh, oh. Ah ouais, non, non, mais gros. Shiny Knife, c'est de la merde, Shiny Knife. Toutes les fois, on a ouvert des Shiny Knives, que de la merde. 400. Bien, bien. Oh purée, non c'était close, hein, en vrai. Mais Shiny Knives, ça dégage avec plaisir. J'aime pas du tout cette caisse. C'est parti pour le tour 2. En vrai ça va vite, hein, mais je pense que c'est le dernier tournoi de la vidéo. Hard Luxury contre Fucanlong. Et après on va passer aux upgrades. Oh là là, un combat à 1500 encore une fois. Fucanlong, vas-tu donc gagner tous ces combats? Ouh, c'est parti, s'il te plaît Fucanlong. Me déçois pas, une dinguerie. Flip Marble Fane. Oh, Fucanlong, ça va sortir. Ça va sortir, je crois. Non, ça sort pas. Non, que du stat track. Ah ouais, c'était close. Ah, le meilleur joueur a failli se faire détrôner. Fucanlong reste dans la course, mais non. Non, j'y ai cru. Ruby Cherry contre Prince. Ok, là, Ruby Cherry, elle peut tenir tête à Fucanlong, je pense. Elle a un talent inné. C'est parti. Ok, Awa Prince. Un cap en terrain en plus. C'est quoi ce bordel? Oh, putain, la Awa Prince, non. Oh non, c'est une finale. C'est une finale de fou, là. C'est une finale de zinzin, là. Pour le coup, je suis peut-être en bénef. Je suis à combien, là? Je suis à 27 000. Pour le coup, je suis peut-être en bénef, hein. Donc là, c'est l'heure de la folie. Je le dis, je crois que c'est l'heure de la folie. On va en ouvrir deux de chaque. Ce sera un BO3, encore une fois. Et c'est parti, ça commence tout de suite. Ah là 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 là. Et après, on va en réouvrir deux. Ah là là, j'aime trop. M9 Autotronic. Oh là là, la Ruby Cherry qui prend de l'avance, hein, je crois. M9 Autotronic, c'est pas mal du tout. Oh putain, ta grand-mère qui fait du slick. Du ski, je voulais dire. Waouh, qu'est-ce que je raconte? Donc là, directement, elle prend une avance, hein. 1400 contre 277. Bon. Bon, de Fucanlong, on en parle. Ça a coûté 1000 balles, ça a rapporté 277. Waouh. Et puis, c'est reparti. Ah, c'est fini. Fuel Injector. Ah, c'est fini. Asimov bof, mais Fuel Injector. Ah, c'est de la merde. Bon, bah, c'est win, hein. Ruby Cherry, les amis, à clutch de zinzin. C'est trop une folie. J'ai battu le record de la Ruby Cherry, là, je pense, hein. Là, on actualise. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est moi qui ai à la Wap the Prince. Du coup, voilà, c'est la fin des tournois, ça fait grandement plaisir. On va tout vendre, je suis descendu à 24 000. Ah, quoique, je suis à 34 000, en gros. Puis, j'ai pas perdu tant que ça, hein, grâce à la Wap Prince. En vrai. Bon, on passe aux upgrades. Faisons un petit contrat, juste un contrat de chaque. Facile, moyen, difficile. C'est un peu de la merde, les contrats, mais... Mais vas-y, faut qu'on essaye un peu les features du site. En plus, là, on a beaucoup de skins chers, donc ça peut être cool. Donc là, ah, j'ai pas le droit. Il y a une valeur max. Ah oui, il y a une valeur max, c'est 1000 balles. D'accord, bon, on va mettre 1000. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le contrat facile? Une baïonnette Crimson, ouais, bah ok, ça se prend. Max 200 ici? Ah ouais, ah, c'est claqué au sol, hein. Bon, on fera pas le moyen, on fera celui-là, voilà. Ok, entre 13 et 2600, oui, bon, on va avoir un truc à 50 balles, tu vas voir. Regarde bien. 14! Allez, toi tu pars en upgrade, x 50, et on n'en parle plus. Ah, c'est plus là, hein, 1,3%. Non! Mais je suis dedans, ouais! Oh, ça dégoûte. Oh, c'était incroyable. Non. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui, les amis? La WAP Prince, je pense qu'elle irait bien avec une autre AWAP. Qu'est-ce qu'on a comme AWAP légendaire ici? Ou bien on peut faire un combo avec des gants? Ah non, mais le but, de toute façon, c'est d'arriver à 45 000. Donc, qu'est-ce que je me fais chier? Prenons direct la M4 Raoul. 3,4%. Bon, ça va être le but aujourd'hui, hein. Entrer une folie comme ça. Ah, du premier coup, peut-être, ça aurait été sympa, hein. Ça aurait pas été de refus, en tout cas. 2%. Non, c'est...
Arrête, à chaque fois. À chaque fois, c'est tout prêt. Ils nous font des scripts, hein. C'est trop scripté de manière à ce que tu sois juste à côté et que tu te dises « Ah, presque !» Allez, on recommence. C'est trop ça. 100%. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait de fou, hein. Ah, c'est bien fait, hein. Ah, c'est trop bien fait. Non, bien joué à vous, LKZ, vous m'avez bien baisé, là. Ah ouais, j'oubliais, avec le code ROCKNAR, vous avez 70 centimes à l'inscription et 15% sur votre premier dépôt. Et ça, par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Je vous déconseille fortement, même si vous avez plus de 18 ans, de jouer sur des sites de case opening, des sites de casino, des sites de gambling, quel qu'il soit, je vous déconseille fortement. Mais vous êtes au courant de l'offre qui est là parce que c'est mon partenaire et vous avez forcément une offre de bienvenue. Bon, pour l'instant, c'est scandaleux, mais il nous reste quelques pages, hein. Tranquillou. Moi, je veux vraiment passer une grosse proba et en plus, bah là, on prend pas mal de Wartags. Les gens en live, à chaque fois j'avais 50 000 Wartags, ils me disaient waouh, mais t'as beaucoup de Wartags, hein. Il faut les utiliser, monsieur. Mais là j'en ai 340 000. Je pense que je les utiliserai en live. 6700 personnes connectées. Ah, sa mère. Ah, ça mange très bien, LKZ, hein. Plus de personnes connectées sur LKZ que sur CSGO. Ou sur CS2, pardon. Bon, on rigole, mais là c'est en train de souiller tout mon inventaire. Y'a pas de souci, j'irai jusqu'au bout de ma connerie. Il faut prendre des risques. Gros risque, grosse récompense. High risk, high reward, comme diraient les Américains. Ils disent tout le temps ça, les Américains, c'est relou. Ah, il nous reste pas grand chose, les gars. Et là, la Prince, je sais pas, je vais la garder, je pense. Hop, non, toujours pas. Après, bon, j'ai que des 5% de chance, mais bon, à force de nombre, ça devrait passer. 11%. On passe dans des vrais upgrades. Là, par contre, c'est un couteau qui est en jeu. C'est un sacré couteau, hein. Qu'est-ce que je vais vous giveaway? Il va falloir que j'aille voir dans mon inventaire Steam. Oh putain. Aïe. On mélange. C'est rien de mélanger, mais c'est pour le geste. Oh là, c'est pour le zeste. Oh là, putain, j'ai voulu. J'ai joué trop risqué aujourd'hui. Si ça passe, est-ce que ça rembourse tout? Je sais même pas. Ça passe même pas. 900 balles. 1200, est-ce que je vais ruiner tous mes efforts? J'ai dit, hein, c'est 25 000 ou 45 000 aujourd'hui. Est-ce que j'ai ruiné tous mes efforts? Ça passe pas. Ah. Donc on est à... Je vais revendre la Prince, hein. 26 964. Ok. La gagnante du tournoi, il va falloir me faire un comeback. 10 caisses, Ruby Cherry. Là, c'est une petite folie, hein, cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a de bien? Putain, je rêve, on a rien de bien. À part la Kerzer 2Z, peut-être, mais même pas. Ah, putain. Ah, c'est pas foufou, les gars. Ça va être compliqué. Là, déjà, je vais vendre pour revenir à 25 000. C'était la part du marché. 25 000. Et pour le reste, on va essayer de faire des dingueries. Bon, là, ce seront les dernières tentatives. Je vais rester sur la haul. Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Putain, mais j'y ai cru encore. Ils rendent fou. Allez. Arrête de rendre fou maintenant. C'est une vidéo qui va mal finir. Peut-être le comeback à partir de cet AKK Zardened. D'ailleurs, on va ajouter 14,58 pour arriver à 25 000 tourons. Let's go. Voilà les gars, j'avais dit, hein, c'est 25 000 ou 45 000. J'ai pas vraiment perdu 10 000 balles, sachant que c'est le site qui me met de l'argent, mais vous par contre, ne jouez pas, faites attention à votre argent, utilisez-la intelligemment, par exemple, en investissant, en achetant des skins plutôt que de les gamble. Ce serait déjà plus intelligent de votre part, sachant qu'en plus le marché est bien en baisse en ce moment. Ce serait très intelligent. Achetez des skins maintenant et revendez-les quand l'opération sortira. C'est pas un conseil, hein, mais moi je pense que si je devais avoir un plan, ce serait celui-ci. Et voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, il y a quand même ce qu'il y aura gagné dans cette vidéo, ce ne sera pas un couteau, mais ce sera un USP Stat Track Minimalware qui vaut 300 balles. Qu'il confirme. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez pour participer et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.